Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo encore exploration, donc en mode urbex, un château qui se nommait à la base le château des 16 pianos. On y va, c'est parti. C'est juste une petite tuerie, franchement. Magnifique ce château. Enfin, tout est beau quoi. C'est franchement un très très beau château de taré. Avec les livres, il y a plein de livres, il y a plein de choses non français. C'est pas en français. Tout ce qui est document pour l'instant, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de français, quoi. On dirait de l'allemand. La dernière partie du château en hauteur. Putain, ça se pète la gueule, putain. Le plus pastoral. Il y a plein de petits, faux étages en fait. Je sais pas ce qui fait le plus mal en fait. Est-ce que c'est le fait que ce soit abandonné ou est-ce que c'est juste le fait de voir autant d'affaires personnelles qui ont été laissées comme ça sur le côté. Enfin, on dirait qu'en fait la personne est partie rapidement. C'est étrange, putain. Enfin, je sais pas, ça fait de la peine. Oh putain,
ça fait beaucoup de peine sur le système. Mais waouh, 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 waouh. Cette charpente de taré. Et ça se pète la gueule, hein. Franchement, c'est dommage. Incroyable. Franchement, c'est incroyable. Putain. On va partir. Ça pue la moisissure, c'est un truc de malade. Je vais pas rester longtemps ici. Putain, c'est. Ça prend, ça prend, ça prend. La vache. Oh la vache. Cheminée. Et ça, messieurs, dames, c'est le puits du château. Donc on récupérait l'eau par l'extérieur et par l'intérieur. C'est la première fois de ma vie que je vois ça d'ailleurs, ce système-là. Je trouve ça intéressant. Si quelqu'un sait ce que c'est que cet engin, cet instrument, je suis preneur parce que c'est bizarre. Pour moi c'est un truc de torture, mais bon. Je pense que c'est beaucoup plus moderne, c'est sûrement autre chose qu'un engin de torture. Et ça, c'est la baignoire. La baignoire au charbon. Génial. C'est génial, franchement. La petite table de taré. Un petit banquier, monsieur, dame. Voilà, je pense que c'est plus un plan de travail que... Wow, quand même. Très belle pièce aussi, hein. Très belle table, enfin tout quoi. C'est super, c'est franchement super. Bon, la visite du château est maintenant terminée. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, je sais pas ce qui est le plus triste. Le fait qu'il y ait des affaires personnelles qui soient restées ici, comme si quelqu'un était parti à la va-vite. Et avec des photos personnelles et plein de choses perso, ça fait chier. Ou, et les deux peut-être aussi, le fait que ce soit abandonné pour l'instant. De ce très beau château. Alors à la base il y avait 16 pianos, là il y en a 7. Donc je pense pas que des connards soient venus récupérer pour voler des pianos, ou alors il faut être sacrément balèze, tout simplement. C'est un beau château, même s'il n'y a pas de mine. Voilà, c'était super à voir. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, eh bien c'est cool, je suis content pour vous, cette découverte. Abonnez-vous à la chaîne, ça me fera plaisir. Et puis on se voit pour une prochaine fois. Salut !